Picardie, 1118 jeunes du niveau supérieur suivent leur formation en apprentissage. Avec une réussite aux examens importantes, cette filière est devenue pour les entreprises une valeur, un investissement durable. 37% des diplômés restent dans leurs entreprises d'accueil. 27% sont embauchés dans d'autres entreprises. Et 13% d'entre eux décident de poursuivre leurs études. Entre crainte et impatience, les jeunes apprentis font leurs premiers pas dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'une entreprise quand on est à l'école ? Donc l'entreprise, c'est vrai, quand on est à l'école, c'est un monde assez abstrait. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on a une vision assez tronquée de l'entreprise au départ. On ne se rend pas compte des exigences du monde du travail. Quelque part, c'est le fait de ne pas connaître et de ne pas vraiment savoir ce qu'était le métier de conducteur de travaux, en fait. Savoir ce qu'on nous demandait, ce qu'on était censé savoir faire. Donc, j'avais pas du tout cette vision-là. Ça ne me faisait pas peur, j'avais hâte de découvrir. Pour moi, une entreprise, c'était travailler en équipe déjà, ensuite se confronter à des difficultés au quotidien et apprendre de nouvelles choses tous les jours, puisque je pense qu'on n'est jamais prêt à 100%. Face à ces découvreurs, les maîtres d'apprentissage ont un rôle primordial. Coach d'un moment, observateur, facilitateur, c'est entre droit et devoir qu'ils suivent l'aventure. Le maître d'apprentissage doit cadrer l'alternant, en fait. On doit lui expliquer ce qu'il doit faire, quelles sont les méthodes de l'entreprise, quelles sont les méthodes à adopter aussi pour son propre travail. Alors, les devoirs du tuteur, c'est surtout d'accompagner, de bien accompagner l'élève durant ces deux années d'apprentissage, accompagné à la fois sur les compétences techniques et les transmissions de connaissances, mais aussi accompagné d'un point de vue sécurité, environnement, les règles de l'entreprise, quelle est l'organisation générale, pour que l'élève se sente, je dirais, à l'aise dans l'entreprise pour pouvoir derrière exercer son travail et aller voir les bons interlocuteurs lorsqu'il a une question ou un problème. Pour moi, la première mission, c'est justement de faire découvrir en profondeur ce que c'est une entreprise et comment ça fonctionne et quelles sont les interactions entre services. Après, bien sûr, en fonction du domaine de compétences de l'apprenti, c'est lui ouvrir et lui faire toucher du doigt concrètement ce qu'est son apprentissage et comment il pourra le mettre en pratique dans les années à venir. Oui, ça prend forcément du temps, c'est de l'investissement, parce qu'à partir du moment où elle décroche le téléphone, à partir du moment où elle répond à un candidat, il faut être sûr que les réponses qu'elle apporte soient les plus correctes possibles. Et du coup, ça demande de la surveillance, ça demande parfois du recadrage, ça demande de l'investissement personnel à moi et à mon équipe. Au-delà de ça, elle nous rend aussi beaucoup de services, donc je pense que l'investissement est commun. Dans cet échange où l'entreprise investit son temps, partage ses connaissances au quotidien, qu'attend-elle en retour ? L'apprenti, alors je vais utiliser un terme qui ne sera peut-être pas forcément des plus jolis, mais pour moi c'est peut-être le poil à gratter de l'entreprise, un instant T. Donc il faut savoir profiter de ça. On accueille dans nos équipes des gens qui sont neufs, qui ont un regard extérieur, qui ont aussi une connaissance généalement assez bonne en fonction du cursus et de l'école d'où ils émanent. C'est justement cet œil un peu neuf, un peu critique, sur lequel il faut capitaliser très rapidement. Et les apprentis ont généralement une soif d'apprendre et une soif de découverte, ce qui fait qu'on peut ensemble parcourir un bout de chemin et capitaliser sur cette expérience nouvelle. Ça dure peu de temps, il faut savoir en profiter. Oui, bien sûr, l'alternant apporte quelque chose à l'entreprise. Il apporte évidemment l'aide. C'est quand même une personne supplémentaire, donc dans l'équipe, ça se sent. Oui. L'alternant est directement dans le vif du sujet, en fait. On ne lui donne pas forcément du travail par rapport à son diplôme d'ingénieur, mais plus par rapport à ce qu'on attend de lui par rapport à la profession. Chez Sogea Picardie, c'est plus spécifiquement les méthodes de la boîte, mais ce sont des méthodes qu'il va pouvoir retrouver notamment dans les grands groupes, puisqu'on fonctionne sensiblement de la même manière.
Ça nous apporte de peut-être plus structurer aussi notre travail, de devoir planifier plus en avance parce que évidemment il faut qu'on lui donne de quoi manger en fait quelque part, il faut lui donner tout le temps du travail. D'ailleurs, Florent en tout cas lui est très demandeur dans le sens où voilà, il va toujours au devant du travail en fait. Là, actuellement, Sixtine a réalisé une étude qui était très importante pour nous, qui répond à des questions très techniques sur lesquelles on n'avait pas du tout eu l'occasion de travailler puisque ça lui a quand même pris toute sa première année d'apprentissage. Et ce n'est pas quelque chose qui répond à une demande client directement. Donc nous, on ne pouvait pas réaliser ce travail en parallèle de notre travail quotidien. Apprendre, c'est aussi comprendre. Bien au-delà du monde de l'entreprise, l'apprenti va se découvrir au sein d'un groupe, d'une équipe, et parfois lui-même. Donc d'abord c'est une confrontation et ensuite on prend confiance. Puisque par exemple, je suis de naturel assez timide et là je me suis retrouvée à l'accueil. Donc au départ, quand il y a les intérimaires qui arrivent, on a une petite voix, on n'ose pas trop s'imposer et au fil des mois on apprend à les connaître et ça va de mieux en mieux. Ce qu'on peut mettre après dans le CV en fait, c'est le fait d'acquérir une expérience professionnelle qui excède 2 mois comme tous les stages ordinaires et qui permet vraiment de s'imprégner du monde de l'entreprise, de voir son fonctionnement. Et en plus, on a une rémunération tous les mois. Donc c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus autonome et de s'assumer quelque part, peut-être pas entièrement, mais bien partiellement. Alors j'ai plus d'autonomie en fait dans les tâches qui me sont confiées. Et j'ai plus de responsabilités aussi et je vois qu'on me fait confiance et c'est ça qui me plaît quoi. Et je commence à arriver à me débrouiller tout seul pour certaines tâches et vraiment être autonome quoi. J'apprends vraiment sur le terrain et ça permet de faire le parallèle avec l'école en fait. Ça m'apporte déjà au niveau professionnel des compétences, beaucoup plus d'autonomie, de prise d'initiative, je me sens beaucoup plus en confiance dans le métier que j'apprends. C'est complètement différent du monde de l'étudiant où c'est plus les professeurs qui nous apportent des choses. Mais là, j'ai l'impression qu'en entreprise, c'est plus un échange de connaissances. J'ai travaillé donc sur un projet pendant 1 an qui était assez important pour l'entreprise, que personne n'avait le temps de faire. Mais je voyais que tous mes collègues s'intéressaient à mon travail, cherchaient à comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas. J'ai travaillé en autonomie sur mon sujet avec l'aide de différentes personnes au moment où j'en avais besoin. Mais vraiment, tout le monde s'intéressait à mon travail et se voyait que c'était plutôt important pour les gens de comprendre ce que j'étais en train de faire. L'entreprise contribue à l'épanouissement des apprentis. N'y trouve-t-elle pas là ses futurs collaborateurs ? On a effectivement surtout des pénuries au niveau du management. Donc le management, que ce soit le management de terrain, que ce soit après un niveau d'établissement ou de direction de filiale. Pouvoir parcourir un bout de chemin pendant 3 ans ensemble, c'est forcément se connaître. Ça veut dire que l'apprenti, si demain il souhaite intégrer l'entreprise, il aura déjà perçu le fonctionnement et l'intérêt. L'entreprise, bien sûr, aura découvert le profil de l'apprenti. Donc c'est la voie d'excellence et effectivement, on espère, en tous les cas du côté entreprise, que ça sera le tremplin pour une intégration définitive au sein du groupe. C'est très difficile en fait d'anticiper 2 ans à l'avance ou même 1 an à l'avance quels seront les budgets d'embauche, quels sont les postes qui vont se libérer ou pas, etc. Par contre, il y a une réelle demande de la RH, justement, d'identifier les potentiels de chacun et chacune pour savoir s'il y aurait éventuellement la possibilité de garder cette personne dans l'entreprise. Aujourd'hui, évidemment, notre intérêt, c'est pas de passer 2 ans à apprendre un métier à quelqu'un, surtout un métier aussi spécifique, pour derrière lui dire « non, il n'y a aucune chance ». Par contre, on ne peut pas s'engager dès le départ à embaucher la personne. Donc, je dirais qu'on joue un peu sur les deux tableaux, à la fois on se dit c'est bien pour la personne, on le forme, on lui apprend un métier, on lui apprend à connaître l'entreprise.
Et en même temps, nous, on identifie si éventuellement il y aura une chance de pouvoir garder cette personne d'un point de vue potentiel de l'élève, compétences, esprit d'analyse, organisation, etc. C'est une dynamique, en tout cas, c'est clair et évident. Demain, je présente un CV à un client en lui disant « Voilà, cette personne, elle a fait un bac ou un BTS par le biais de l'alternance. Il y a une référence possible, ils peuvent faire un contrôle de référence, on peut s'appuyer sur des bases, on peut savoir si la personne elle est dynamique, si elle est courageuse, si elle accepte les heures supplémentaires. Enfin voilà, on a déjà une logique de mise et de confrontation à l'emploi et du coup on peut avoir des références sur la personne. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés sur les compétences et aussi sur le comportement. Et le fait d'avoir fait de l'apprentissage, ça donne déjà une vision de la personne dans un futur. Le couple maître d'apprentissage et apprenti crée une complicité où s'équilibre impératif de production et compréhension des tâches. Mais l'apprentissage, c'est aussi l'école. Quelle place alors pour le tuteur enseignant ? C'est extrêmement intéressant ce qui vient d'être dit. On sent bien l'apport de l'entreprise pour les apprentis avec le fait de leur donner comme ça un statut social important, des compétences. On sent aussi bien l'apport des apprentis pour l'entreprise avec cet œil neuf et puis cette ressource qu'ils cherchent à recruter. Et par rapport à la question qui est posée sur le rôle des tuteurs, je souhaiterais élargir un petit peu au rôle de l'ensemble des enseignants de l'enseignement supérieur dans le cadre de ces dispositifs. La formation par apprentissage apporte beaucoup de choses aux enseignants, alors en les bousculant parfois aussi un petit peu. Ça remet en cause notamment les pratiques pédagogiques. On peut difficilement utiliser les mêmes pratiques pédagogiques pour des jeunes étudiants qui ne connaissent pas du tout le milieu de l'entreprise que pour des apprentis qui, en troisième année, se positionnent vraiment comme des professionnels qui cherchent à faire du lien avec leurs propres compétences et viennent chercher aussi des réponses à des problématiques qui se posent au quotidien. Dans un dispositif classique de formation par apprentissage, la logique professionnelle, la logique de production va arriver en premier parce que c'est celle qui est la plus valorisante, souvent, pour l'apprenti. Et effectivement, il y a un risque pour qu'il délaisse un petit peu l'aspect formation, voire qu'il oublie complètement aussi sa projection, sa propre projection sur l'avenir. Et on a un rôle essentiel qui est d'outiller nos apprentis pour toute une carrière et pas uniquement la formation au premier emploi, la formation à des compétences, métiers très spécifiques dont se charge très bien l'entreprise. Et donc nous, on a un rôle un petit peu plus global pour les aider à prendre du recul et à développer, on va dire, des compétences transverses qui vont leur permettre d'évoluer sur la durée dans leur carrière.